Hélène, vous savez qui on attend ici? Ah non. Ça serait pas un nommé Harry Brock, par hasard? Adressez-vous à la réception. Parce que je dois rencontrer un type de ce nom et je pensais qu'il aurait pris cet appartement. Ah bah Brock. Ah bah c'est ça. Qui est-ce, Brock? Harry Brock. Oui, jamais entendu parler. Eh ben ça ne tardera pas, c'est un chiffonnier qui est devenu milliardaire sans l'aide de personne. Ah. Sauf celle des guerres. Ouais, bah un bonhomme qui prend ce genre d'appartement, moi j'aurais pas envie de le rencontrer. Pourquoi? Hein? Non, mais vous savez combien il paie pour ça? 125 000 par jour. Ah, qui vous l'a dit? Mon petit doigt. Ah, ouais. Et alors? Elle va payer 125 000 par jour pour une chambre d'hôtel. Ça devrait être défendu. Il devrait y avoir une loi. Il y a déjà tellement de lois. Quand je pense que je gagne 20 000 par semaine, je vois pas pourquoi quelqu'un dépenserait 125 000 par jour pour une chambre d'hôtel. Exactement. Mais on va dire que vous êtes mûr pour la révolution. Eh bien, répondez que j'y pense. Et sérieusement. Vous trouvez que ça a changé? Quoi donc? Washington. Oh, pas assez à mon goût. On s'imaginait là-bas qu'après la guerre, les choses changeraient et puis on revient, on retrouve tout en place. Ah hein. Oh, oui, l'ennui avec vous, Monsieur Vérel, c'est que vous pensez trop. Beaucoup de garçons de votre âge pensent trop, d'ailleurs. Celle-là reste ici, le reste en haut. Bien, monsieur. Ceci est l'appartement réservé pour vous. Ça suffira. Service, terrasse et les chambres à coucher par ici. Bonjour, monsieur Brock. Qui vous êtes-vous? Qui c'était, lui? Va savoir. Qu'est-ce que c'est que cette tôle avec des gens qui vont et viennent dans tous les coins? Madame Brock semble très satisfaite de ses chambres. C'est pas Madame Brock. Ah, je comprends. Non, ça va, cherche pas trop à comprendre. Mais je ne cherche pas. Il n'y a pas de Madame Brock sauf ma mère, elle est morte. Ah, je comprends. Bon, Eddie, occupe-toi de lui. Merci, monsieur. Merci infiniment, monsieur. Bon, ça va, écouter un peu. Ceux qui font le service, ici, dites-leur de le faire bien et en vitesse, et il n'y aura pas de pétard. Moi, je m'égote pas pour les pourboires, mais j'aime pas avoir des gens qui rôdent tout le temps autour de mes pattes. Puis j'aime pas attendre, c'est pas dans mes habitudes. Je suis certain que tout sera selon vos désirs, monsieur Brock. Ça va, tirez-vous. Bon séjour à Washington, monsieur Brock. Et merci beaucoup, monsieur Brock. Billy! Pas mal, hein? Pas mal. Pas mal, Kelly. Tu sais combien ça coûte par jour? 125 000, tu l'as déjà dit. Bonsoir, Ellie. Bonsoir. Bienvenue dans notre capitale. Dites donc, il faut me faire sauter une contravention. Ah, quel propos? Bah, on roulait un peu vite en rentrant en ville, il y a une espèce de patate en uniforme. Bon, j'aimerais faire entrer dans ce qui vous sert de crâne la notion suivante. Le fait que je m'occupe de questions légales ne signifie pas que les lois dépendent de moi. Ça veut dire quoi, ça? Hein? J'y suis pour rien, moi! Ah, je verrai ce que je peux faire. Bah, encore bourré, hein? Toujours. Je vais prévenir, il y a deux ou trois histoires qui ne peuvent pas attendre. Vous en faites pas, monsieur, j'y vois encore clé dans un contrat. Ouais. Alors... Qu'est-ce qu'on va faire avec le sénateur Herbert? Ah, ça va s'arranger, ça coûtera peut-être un peu plus qu'on ne pensait, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Combien plus? Insignifiant. Pourquoi plus? Et la loi de l'offre et de la demande, Harry. Une conscience élastique est une marchandise rare par ici, par conséquent coûteuse. Eh, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, vous inquiétez pas? Ces frais-là, on ne peut pas les déclarer au percepteur, dites-donc. Ah, pas sûr. Non, on pourrait peut-être créer un précédent. Monsieur le percepteur, je vous serai obligé de déduire de mon revenu la dépense suivante. Pot de vin, 40 millions. Quoi, hein? 40 millions, et puis... Et non, c'est ça que vous appelez insignifiant, vous? Ben, nous pensions 25, n'est-ce pas? Vous êtes pas avare avec mon fric, hein? Ouais. Ouais, il est là. Vous voyez qui c'est qui le demande? Ouais. Un type pour vous. Vérane? Allô, Paul, comment ça va? Bien. Et la croisade pour la morale publique, ça va? Oui, mais quand vous voudrez, le plus tôt sera le mieux. Hein? Tout de suite, oui, j'y serai.
Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Paul Véral. Eh, je vous en ai parlé. Véral, ne m'en rappelle pas. Un journaliste de la Nouvelle République, il veut une interview. C'est un garçon de valeur, il revient de la guerre avec une bonne provision d'idées et d'énergie. Ah, je veux pas causer avec un journaliste, je vais me faire raser. Vous feriez mieux de causer avec lui. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Voyez-le. Pourquoi? C'est un des quelques types de Washington qu'on doit avoir à l'œil. Mettez-le dans votre jeu avant qu'il ne commence à vous chercher des histoires. Eddie! Comment va Billy? Elle va bien, elle est un jour dessus. Peut-être, je vais me faire raser. Ouais, c'est parti. Oui. Quoi? Oui, salon de coiffure. Pour le sénateur, dites à Billy de s'habiller simplement avec discrétion. Il ira peut-être avec sa femme. Vous avez des jambes? Alors montez lui dire. Ouais, ici l'appartement de Monsieur Harry Brock. Et envoyez tout de suite un garçon et une manucure. C'est ça, pour la barbe. Puis grouillez-vous un peu, hein. Il y a un coup pour mes godasses. Et le valet pour les godasses. Il grimpe. Eddie. Oh. Vous voulez me sauver la vie? Au plate ou gazeuse? Sec. C'est parti. Eh, vous en faites pas pour Billy. Une chose pour elle, elle sait s'habiller. Vous savez combien ça me coûte, ces robes? Je m'en fais pas seulement pour ça, Harry. Ah ouais? Pourquoi alors? Vous aviez vraiment besoin de l'amener? Seul Dieu sait combien de temps je vais rester à Washington. Eh, l'ennui dans cette ville, c'est qu'il y a peu de secrets et beaucoup de bavardages. Le premier qui ouvre sa gueule sur moi, je lui fends en deux. Oh, parfait. Mais c'est pas précisément pour ça que vous êtes venu ici. Alors, amusez-vous à ça et adieu la haute société de Washington. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Ouais, merci. Bah, écoutez, Harry. Vous pouvez devenir un de ceux qui ont ce pays en main. Hein? Mieux encore, ceux qui l'ont en main, vous pouvez les tenir comme ça. Bon, il faut de la puissance, vous en avez assez, de l'argent, vous en avez beaucoup, mais ce qu'il faut surtout, c'est du jugement et de l'intelligence. C'est précisément pour ça que vous me donnez autant de fric. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais rien, rien, j'essaie seulement de définir mon rôle. Bon, bah, c'est pas la peine de crier. Très bien. Oh, Dieu me pardonne. On aurait cru que j'ai fait quelque chose de mal. Quand Véral sera là, soyez cordial, ne le bousculez pas. Traitez-le comme une fille que vous voudriez embarquer. Non, non, attendez, attendez, attendez une minute. Je vous laisse avec lui, c'est mieux. Il faut que je parle. Oh, Paul! Salut, Ted. Harry Brock, Paul Véral. Comment ça va, Monsieur Brock? Ça se maintient. Vous savez que je vous ai déjà vu, vous, il n'y a pas longtemps. Hein? Excusez maintenant, je vais me faire raser, ça vous dérange pas? Non, non, j'en ai vu d'autres. Ah, si vous voulez bien m'excuser, oui, monsieur. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, vous cassez pas, allez. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Prenez quelque chose? Whisky, si vous en avez. Si j'en ai! Aidez! J'ai tout, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais vous étiez fourré, bon Dieu. Juste là. Oh, et ben, alors reste là. Et donne-lui un whisky soda. Au plate. Au plate. Au plate. Gin tonic pour toi. Exact. Et c'est toujours ce que j'ai envie de boire. Ouais. Je l'emploie depuis tellement longtemps, puis en plus c'est mon cousin. Alors, il me connaît comme sa poche. Exact. Un peu, mon neveu. Alors c'est peut-être lui que je devrais interviewer, hein? Ah, mais il y a un truc à creuser, ça serait pas bête. Arme, petit gars. Ah, qu'est-ce que vous préparez, là? La pommade ou le vitriol? Pourquoi? Ben, j'aime bien savoir avant. Je cause mieux si je sais où on veut en venir. Nulle part, vous me dites la vérité, c'est bon, tout. Bon, ben, alors c'est le vitriol, alors. C'est pas sûr, allez. Vous en faites pas, bah, écrivez ce que vous voulez, ça m'est égal. Vous pouvez pas m'embêter, vous pouvez pas m'aider. Personne ne peut. Allez. Si je vous cause, c'est parce que Ted Devry me l'a demandé, puis non. Je le paie assez cher pour qu'il me donne des conseils, alors si je les utilisais pas, je serais une vraie pomme. Exact? Un peu, mon neveu. Qu'est-ce que... Toi, tire-toi. Ouais. Devry, il aime bien qu'on parle de moi dans les canards. C'est normal, Monsieur Brock. Surtout dans une ville officielle comme Washington. Il n'est pas sans intérêt d'avoir... Mais bouclez-la. Vous me faites pleurer. Washington, j'ai mis toutes les villes que je voulais dans ma poche. Alors, quelle différence avec Washington? Un cigare? Oh, merci. Ça sera pour un député. Et non, 1000 balles pièces qui me coûtent. Ils sont roulés sur les cuisses de femmes. Alors, ça sera pour un sénateur. Dites, les sénateurs, c'est... C'est des gros volets par ici, hein? Ah, plutôt, oui. Pourquoi? Il faudrait pas. Vous savez ce que c'est pour moi, un sénateur? Un type qui se fait 250 000 par semaine pour un radis de plus. Qu'est-ce que vous notez, là? Votre petite remarque. Qu'est-ce qu'elle vous plaît, hein? Ah oui, premier ordre. Dites, peut-être que je réussirai à la télé. Ben oui, peut-être, pourquoi pas. Hein? Pariez combien que je fais plus d'argent que Jerry Lewis? Je ne parie jamais. Ah!
Alors, mon petit gars, qu'est-ce que vous voulez savoir? Le montant de votre fortune. Quoi? Combien de millions vous avez? Mais ce que je sais, moi, je suis pas mon comptable. Vous ne savez pas? Pas exactement, hein. Milliardaire? Non, mais vrai, comme je vous cause, j'en sais rien. Plusieurs fois? Peut-être. Une fois? Plus. Combien? Pas mal. Ça va. Écoutez ça, hein. J'ai fait chaque dollar moi-même, jamais personne ne m'a rien donné. C'est du beau travail, hein? Voilà. Je le sens d'ici. Qu'est-ce que vous avez raconté sur moi, hein? Non, mais attendez. Non, mais allez-y, ça ne me dérange pas. Monsieur Brock, qu'est-ce que vous pensez de la guerre? Non, continuez, démolissez-moi, allez. Dites que je suis une frappe, un gougnafier, ça me rapportera. Mais vous êtes terrible. Laissez-moi vous dire un mot de Cleveland. En 1947, là-bas, il y a un grand dépôt de ferraille et la municipalité veut s'en débarrasser. Et de la camelote de première, hein. Alors, j'y vais pour me rendre compte. Puis, il y a d'autres marioles qui y vont aussi et venaient de l'autre bout du pays et d'encore plus loin. Moi, j'avais pas l'ombre d'une chance et je le savais. J'étais prêt à me dégonfler quand tout à coup, il y a un papier terrible qui sort dans un journal du patelin. Un article sur moi. Mais alors, le vrai passage à tabac, hein, avec mon nom et tout. Puis aussi que la municipalité est sur le point de passer un marché avec des malfrats. Et oubliez pas ça, hein. Je suis pas dans la course et j'ai pas les moyens qu'il faut pour ce genre de combine. Le jour suivant, il y a un médecin. Et cette fois avec ma photo. Vous savez ce qui se passe? Un type de la commission municipale m'appelle, il vient me voir, puis il me dit qu'ils veulent pas d'histoire. Alors, on bavarde un peu tous les deux. Puis après, moi, je m'occupe au téléphone. Je fais la somme avec deux gars de Détroit. Et enfin arrive le bouquet, le grand éreintement en première page. Le lendemain, je signais le contrat, et la semaine suivante, j'embarquais la camelote. Et alors? Ça veut dire que vous ne pouvez pas me nuire en disant que je suis une frappe? Je veux dire, peut-être même que vous m'aiderez. Ça fait peur aux gens, et pour moi, c'est bon. Les gens ont facilement les foies. Peut-être, pas tout le monde. Beaucoup de monde. Là, tout ce que vous pouvez faire pour moi, c'est ou me mettre en vedette ou la fermer. Allez, reprenez un verre. Non, merci. Qu'est-ce que je te dis, qui c'est qui paye ici? Quand je suis chez moi, tous les matins, c'est lui qui me rase. Ah, hein? J'ai un vrai fauteuil de coiffeur. Exact? Ah, pas mon neveu. Alors, mon petit gars, je crois que vous pouvez m'interviewer. Où êtes-vous né? Dans la zone. Chicago, 1925. J'ai commencé à travailler quand j'avais 12 ans et j'ai pas arrêté depuis. Et vous savez comment j'ai commencé? En ramassant des vieux journaux. Ben, j'avais un concurrent dans le coin, un autre gosse, qui s'est retiré des affaires avec un bon coup de pied au cul. Et depuis, vous n'avez pas arrêté? De? Hein? De travailler? Et je vais vous dire pourquoi je suis un as dans ma combine. Je la connais depuis 25 ans, la même combine. L'acier. La ferraille? Pas l'acier, mais la ferraille. Ah, pardon. Et pas de pommade, hein, je suis qu'un chiffonnier, j'en ai pas honte. Mais il n'y a pas de raison. Je vais vous dire, un petit gars, jamais truqué avec un truqueur. Je peux posséder même les plus forts. Et ça a marché pendant 25 ans. Je vais vous dire, en rentrant chez moi, je poussais mon petit chariot plein de journal. J'étais pas le seul, seulement les autres gosses les gardaient, moi je les vendais. Je me faisais 3 000 à 4 000 par semaine. Et bientôt, je découvre le vrai filon. Et je suis rien qu'un gosse, hein, oubliez pas ça. Mon client en arrive à me lâcher 8 à 10 000 par semaine. Alors il me propose un arrangement à 5 000, cette patate. Ah! Je lui revendais deux fois la même camelote et il voyait que du feu. Comment ça? Chaque nuit, je passais derrière son hangar, je creusais un trou sous la palissade, j'agrafais le papier, je le chargeais. Le lendemain matin, j'arrivais devant sa porte, je déchargeais, puis j'empochais. Et tout ça à 12 ans? Dans ces jours-là, oui. Et peu de temps après, vous possédiez le hangar. Ah! Croyez pas si bien dire. Et la patate en question, vous savez? Aujourd'hui, c'est un de mes employés. Puis le môme que j'ai viré à coup de pied dans le cul, c'est aussi un de mes employés. Bah, j'ai pensé que je leur devais bien ça. C'est comme ça que je suis, moi. Ces dernières années, ça a été de bonnes années pour la ferraille. Pas mauvaise, hein? Vous croyez pas que ça va plonger? Parlez carrément, hein? Vous pensez que le marché va continuer à être bon? Nous le rendrons bon. Oui, qui ça, nous?
Hein? Qui, nous? Nous! Nous, c'est moi, ça suffit. Ça va, j'ai compris. Attention, attention. J'aime pas les financeries, hein? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, où voulez-vous? Ici. Bon, ben, je peux aussi bien m'en aller. Non, hein? Non, 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 partez pas, partez pas. Vous me plaisez, vous me plaisez. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Si vous jouez franc jeu avec moi, vous ne regretterez pas. Vous me comprenez? Très bien. Une seule fois, et tout doux, hein? Non, mais bien, elle ouvrait pas. Bien. Juste un polissage, hein, parce qu'on me fait des ongles tous les jours. Qu'est-ce que comme elle a par là, dans un coin? Continuez, continuez, ça me gêne pas. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Washington? Pas vos oignons. Ah, bah ça, c'est pas mon avis, hein. Ah oui, pourquoi? Bah vous êtes un personnage important, monsieur Brock, il est bien naturel. Que vous cherchez à m'étrangler ou quoi, vous? Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Washington? Voir les monuments. C'est pour ça que je suis à Washington, c'est pour voir les monuments. Très bien. Et il n'y a qu'à mettre ça dans votre papier, comme ça les gens n'auront pas la trouille. Et combien de temps comptez-vous rester ici? Ça dépend du nombre de monuments qu'il faut voir. On dit que vous pourriez rester quelques temps. Ah ouais? Et où on dit ça? Ben, un petit peu partout. Des salades. Qu'est-ce que j'en ai à fiche de la politique? Moi, j'ai assez à faire avec ma propre combine. Je connais rien à celle de la politique. On dit justement que vous voudriez bien les apprendre. Écoutez, mon petit gars, jusqu'ici, j'étais gentil avec vous, hein. Alors, essayez pas de me pomper l'air. C'est mon travail, monsieur Brock. Alors, travaillez pas trop avec moi, hein. Je veux qu'on reste copains. Alors, on enquête. Quand ça se passe? Oh, formidable. Il est né à Chicago, mon vieux. C'est tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'ici. Il n'est pas facile à entamer, hein. Ben, je comprends pas, il adore parler. Va pas avec moi, hein. Comment, hein? Je vais lui raconter ma vie. Il a même pas voulu me dire le montant de sa fortune. Mais lui, j'en savais rien. Il a même pas voulu me dire pourquoi il était venu à Washington. Pas vos oignons. Aucun secret, une simple affaire d'impôt, je vous l'ai dit. Je sais, mais je n'en crois pas un mot. Oh, Billy, je vous présente mon ami, Paul Meral. Billy Bell. Dis donc, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Où tu vas avec ça? En haut. Remets-la à sa place. Mais je voudrais simplement... Oui, non, je sais ce que tu voudrais, alors remets ça là. Pourquoi? Parce que je te dis de le remettre, c'est tout. Mais chérie, je... Non, il n'y a pas... Remets ça là. On attend une visite importante, alors c'est pas le moment de se noircir. Mais je voudrais simplement... Non, remets ça là et monte. Change de robe et puis me cause pas de complications. T'as entendu ce que j'ai dit? Dites, ça vous coûterait combien pour que vous lui coupiez la gorge? Il y a un genre de plaisanterie que j'aime pas beaucoup. Vous énervez pas, vous... Non, je m'énerve si je veux! Parfait. Bon Dieu, Harry, mais c'était une plaisanterie. Allez, ça suffit comme ça. J'ai pas fini. Non, ça ira, je vous dis, tirez-vous. Puis vous aussi. Eddie, tu t'occupes d'eux. Je crois que je ferai aussi bien de partir, moi. Non, non, partez pas, partez pas. Et si, il le faut. Partez pas, ça m'a tout l'air que vous êtes le seul ami qui me reste dans les parages, hein. Oh, mais je ne vais pas loin, hein. Si on vous fait des misères, vous criez et j'appelle, hein. Non, c'est le contraire. vous habitez l'hôtel? Oui. Parfait. Rez-de-chaussée, mais pas le même genre d'appartement, naturellement. Non, allez, racontez pas d'histoire. On me dit que vous vous débrouillez très bien. Salut. À bientôt, hein? Bientôt, oui. Merci pour tout. Bon, y a pas de quoi. J'ai besoin de la signature de Billy sur quelques papiers. Celle d'Eddie. Attendez. Billy! Quoi? Laisse-en voir une minute. Qu'est-ce qui vous rend triste? Ouais, je suis pas triste. Et pourquoi vous faites la gueule? Je fais pas la gueule. Qu'est-ce que vous vous sentez pas bien? Vous voulez un aspirine? Non, je vais très bien. Depuis que je vous connais, je suis mort. Mais pour un mort, je me porte pas trop mal. C'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Parfois, j'arrive pas à vous comprendre, moi. Parfois. Qu'est-ce que tu veux? Ted. Quelques papiers à signer, mon petit. C'est tout ce que je fais ici, signer. Oui, ben c'est ça. Alors, signe et tais-toi. Dites donc, quand est-ce qu'il arrive, cette espèce de sénateur? Ah, d'un moment à l'autre, hein. Bon. C'est peut-être mieux d'aller me préparer, hein. Ah oui. Comment vous la trouvez, comme ça, elle est bien? Ce qu'il faut entendre. Parfaite. Non, vous êtes bien sûr.
Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, dites-moi, c'est quelque chose qui cloche. Oui. Bon. Ted. Non, je veux pas qu'il y ait de gaffe au départ. Aucune raison, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il veut produire une bonne impression. Ah oh, bah la sienne. Il y a deux signatures, hein, ici, là. Et qu'est-ce qu'on a fait de toute la paperasse que j'ai signée la semaine dernière? On ne l'a pas perdue. Oh, je parierais que j'en ai déjà signé des milliers comme ça, hein. Voilà ce que c'est que d'être administrateur d'une société à filiale. C'est ça que je suis? Hein? C'est pas mal, hein? Vous avez fait du chemin depuis que vous étiez figurante. Hein? J'ai pas toujours été figurante. Hein? Quand tout va très bien, j'avais du texte. Vraiment? Et comment? Et quelle longueur? Quelle longueur de quoi? Eh ben, de texte. 5 lignes? Ah, je savais pas. Demandez à n'importe qui. Ah, non, mais je vous crois, Billy. Si j'en avais eu envie, j'aurais sûrement pu être une vedette. Et pourquoi vous n'avez pas continué? Harry voulait pas. Il aime se coucher de bonne heure. Ah oui, je vois, oui. C'est... Vous trouvez pas qu'il a changé, Harry, vous? Comment changer? Moi, je sais pas. Autrefois, il avait l'air plus gai, là. C'est comme maintenant. Il arrête plus de parler. Enfin, comme à présent, qu'est-ce qu'on avait besoin de venir à Washington? C'est une longue histoire. Oh, bah, je veux pas l'entendre, je m'en moque d'où il va. Tout ce que je voudrais, c'est qu'il reste un peu tranquille. Ouais, l'ambition. Oh, bah, je sais. Il arrête plus de parler maintenant. Tiens, il me réveille la nuit pour me raconter le grand bonhomme qu'il est et comment il sera quand il sera encore plus grand et qu'il mènera tout comme ça, là. Ouais, c'est pas impossible. Oh, bah, je vais vous dire un bon truc, de toute façon, je m'en balance. Il y a beaucoup de gens comme vous, c'est pour ça qu'il a une chance. Ouais, la plaie de notre époque, c'est le logement-foutisme. C'est ce qui fait que le diable gagne à tous les coups. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes sous ou autre chose? Ouais, je suis sous. Et autre chose. Bon, ben, on n'en parle plus, d'accord? Allez-y doucement! Oh non, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi! Attendez un peu, Billy. Ah, vous irez droit quand ils sont partis. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pas d'affaire, des gens importants à connaître, c'est tout. Quoi, cette espèce de sénateur? Et Madame Herbert! Harry m'a dit que ce type travaillait pour lui. Dans un certain sens, oui. Pourquoi il fait tant de chichi, alors? Il veut peut-être que ça continue. Trop compliqué pour moi. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être charmante et de ne pas parler mal. Bon, eh ben, je l'ouvrirai pas. On vous en demande pas tant. Puis j'ai pas besoin d'être là, je peux très bien rester en haut. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Harry n'aimera pas ça. Bon, c'est bon, c'est bon. Comment allez-vous, Charles? Pas mal, pas mal. Ah, Anna, il y a longtemps qu'on ne s'est vu. En effet. Entrez donc. Pardon. Bonsoir. Sénateur, vous, un habitué des premières, vous devriez vous souvenir de cette jeune dame. Elle s'appelait Billy Bell. Ah oui, 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 parfaitement. Billy, je vous présente le sénateur Charles Herbert, dont je vous ai souvent parlé. Très honoré. Et voici Madame Herbert. Très heureuse. Moi de même. Si nous prenions un verre. Ma foi, je ne dis pas non. Moi non plus. Whisky? Parfait, parfait. Bon. Ellie, whisky pour tout le monde? C'est parti. Oh, un whisky, je ne pouvais rien souhaiter de mieux. Oh oui, il est affreusement fatigué. Une chaude séance en commission, peut-être. Ah, vous l'avez dit, mon cher. Et le Sénat a décidé de ne rien décider. Hein? Est-ce que Washington vous plaît, Madame Brock? Oh, j'ai encore rien vu. Pas possible. Est-ce la première fois que vous venez ici? La première? Je faisais pas les tournées de province. Nous vous ferons visiter la ville. Elle en vaut la peine. Oh, quel dommage que la Cour suprême ne soit pas en session. Vous adoreriez. Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Beaucoup de gens voudraient connaître la réponse à cette question, Billy. Parce que... Ah, le voilà! Sénateur... Sénateur Charles Herbert, Harry Brock. Ah, enfin on se voit, sénateur, hein? Pas trop tourné dedans, hein? C'est bien mon avis. Je suppose que ça c'est Madame Herbert? Oui. Très heureux, vraiment, vraiment, très heureux. C'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est vous, sénateur, c'est vous. Merci.
Vous avez fait bon voyage? Très bon. Très bon, on s'est ramené dans ma bagnole. Nous sommes venus dans ma voiture parce que je vais m'arrêter en route. Oui, à Baltimore. J'ai un parc là-bas, j'ai un parc à ferraille. Ah, vraiment? Ah oui. Oh, c'est un petit truc de rien du tout, qui vaut même pas tous les embêtements que ça me cause, mais je vais vous dire un truc, j'aime bien. C'est vrai. C'est le deuxième parc à ferraille que j'ai piqué. Avant, j'en avais qu'un. Et combien en avez-vous maintenant? Bah, j'en sais foutre rien. Excusez-moi. Aucune importance. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai un faible pour ce petit dépôt de Baltimore. C'est marrant, hein? Comprenez ça, vous? Oui, c'est sentimental. Voilà, voilà, vous avez mis le doigt dessus. C'est ça. Ouais, ouais. Je suis un sentimental. Bon. Je pense que nous sommes tous un peu sentimentaux. Ah oui, et puis... C'est le pays de la liberté. Bon, alors, quoi de neuf, sénateur? Oh, vous savez, la routine, mon cher, la routine. Ouais, je vais vous dire un truc, hein. Votre boulot, j'en voudrais pas pour rien au monde, avec tous ces gens qui doivent être pendus après vous pour vous taper. Ça fait partie du métier. Mm. Est-ce que vous aimez le bridge, madame Brock? Non, rien que le jean. Pardon? Le jean remis. Nous sommes quelques jeunes et jolies femmes qui nous réunissons quelquefois pour jouer au bridge. Alors, si cela vous plaisait... Ben oui, mais je joue pas au bridge. Mais tu pourrais apprendre si tu voulais. Je crois pas. Mais si tu pourrais... Mais si elle pourrait... Elle savait pas jouer au gin non plus, je lui ai appris, puis maintenant... Elle me lessive à tous les coups. Est-ce que vous auriez du temps de libre demain, Charles? Eh, pas beaucoup, malheureusement. Ah, dommage. J'aurais voulu vous amener Harry. Pas peu de choses. Eh bien, voulez-vous... Je sais pas, moi, 10 heures. Est-ce que cela convient, Harry? Qu'est-ce que c'est, quoi, 10 heures du matin? Ah oui. Alors, ça, c'est un peu tôt pour moi. Tu parles? Alors, 11 heures. Ouais, 11 heures, ouais. Oui. Où ça, chez vous? Ah non. Quoi? Non, je peux très bien venir ici, si vous voulez. Parfait. Parfait. C'est sur mon chemin. Dites, mon chou, vous avez pas besoin de vous laver les mains? Ou autre chose? Merci. Est-ce que... Sénateur, est-ce que vous seriez libre vendredi soir? Ah, vendredi, je ne sais pas. Vendredi, sommes-nous libres, ma chère? Oh, nous pouvons nous rendre libres. Parfait. Ah, ça... Ça, c'est une femme. Ouais. J'arrange un petit dîner. Un petit dîner avec quelques personnes dont je voudrais que Harry fasse la connaissance. Oui, et qui veulent le connaître aussi, sans aucun doute. Oh, c'est je suis qu'un chiffonnier. Hein. Mais en Amérique, ce n'est pas une tare. Non, si vous êtes un grand chiffonnier. Dites-moi, je tiens à vous remercier, Monsieur Brock. Qu'est-ce que c'est? Appelez-moi Harry, sénateur. Oh. Allez, allez-y, allez-y. Bon, eh bien alors, Harry, je ne vous ai pas écrit, vous savez pourquoi, mais je veux que vous sachiez que je vous suis très reconnaissant de... Enfin, pour votre... disons, votre appui. Mais normal, non? Un coup, il se bourre, un coup, je me bourre. Excusez-moi. Aucune importance. Vous voyez, sénateur, il y a une catégorie d'hommes qui doit toujours se tenir les coudes. Oui, c'est bien mon avis. Non, mais vous savez ce qui m'intéresse, moi, la ferraille. Je l'achète, je déménage, je la vends. Mais je veux pas qu'on vienne me mettre des bâtons dans les roues avec les règles et les règlements. Oui, oui, bien entendu. Ah oui, là, ben, là, ouais, non, mais c'est pas de la rigolade, hein. Vous imaginez combien il y en a de la ferraille dans tous les coins du globe avec toutes ces guerres? Ah non, aucune idée. Moi non plus. Personne ne le sait, mais il y en a encore plus qu'on peut se figurer. Alors moi, ce que je veux, c'est la ramasser, cette ferraille. La prendre là où elle est et la ramener là où je peux m'en servir. Bien, bien. Alors, à quelle appartient, hein, cette ferraille? C'est vrai. Oh, comme c'est intéressant. J'ai pour vous justement une copie d'une étude sur la question faite par... Oui, bon, ben, c'est à bouler là en vitesse, parce que moi, j'ai pas de temps à perdre avec les paperasses. Vous voyez, moi, ma façon de travailler, c'est comme ça. Chacun pour soi, un œil, les deux yeux, et tâchez de descendre l'autre type avant qu'il vous descende. Oui, oui, bien sûr. Hein? Ah oui, non, mais ce que j'ai dans la tête, c'est une combine qui porte sur le monde entier.
Alors chacun y trouvera son compte à condition d'être dans le coup. Alors jusqu'à présent, ben, ça va. Ça va, on se comprend, ça tourne, ça roule. Mais maintenant, ce que je veux, c'est démarrer. Un point, c'est tout. C'est lissé ? Oui. Mais tous les jours, tête, ça mêle avec un autre empoisonnement. Ce règlement-ci, le règlement-là, les tarifs, les taxes, l'administration par-ci, les affaires étrangères par-là. Vous comprenez, Charles, que dans ce type d'opération... Quoi, ce type d'opération ? C'est des boniments, tout ça. Moi, je vois qu'une chose. Il y a toujours un moyen de s'arranger. C'est tout ce que je vois. Et ça, les gars... C'est à vous de trouver le truc. Ah, mais Charles travaille dans ce sens-là. Oui, par exemple, l'amendement que j'ai déposé garantit l'entreprise privée contre toute entrave nationale ou étrangère. Et nous faisons tout pour qu'il soit voté rapidement. Eh bien, veillez à ce que ça se fasse, hein. Parce que c'est pour ça que je suis ici. Pour voir si je peux obtenir ce que je veux, après avoir payé ce qu'il faut. Whisky ? Non, merci. Allez, coup de l'étrier. Alors, une là. Alors, sénateur, alors, comment vous voyez l'avenir ? L'avenir, comment, en général ? Mais en général, dites-nous ça, oui. Eh bien, mon Dieu, comme je le disais l'autre jour à la tribune, il s'agit de savoir si c'est le peuple qui dirige le gouvernement ou si c'est le gouvernement qui dirige le peuple. Charles, voilà, vous l'avez dit. Ah non, mais vous savez où j'en serais maintenant si je devais démarrer ma combine ? Dans la merde. Excusez-moi, hein. Bon, eh bien, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Oui, nous devons partir. Mais pourquoi ? Pourquoi partir ? On a tout le temps. Non. Ce n'était d'ailleurs pas à proprement parler une visite. Nous voulions que vous souhaitiez la bienvenue. Et du reste, j'ai l'impression que nous sommes appelés à nous revoir souvent. Vous l'avez dit. Ma chère. Tiens, prenez ça. Non. Ma réserve personnelle. Vous êtes trop aimable. Bon, vous rigolez, non ? Alors, au revoir, Harry. À bientôt, sénateur. Tout le plaisir est pour moi. Au revoir, Madame Brock. Oh ! À la prochaine ! Au revoir et merci beaucoup. Mais de quoi ? Laissez-moi m'installer vraiment ici et je vous donnerai de quoi me remercier. Au revoir, Ted. À demain, Charles. Entendu, au revoir. Ah, ça va, Eddie, tire-toi. Une minute. Des miteux. Quoi ? C'est rien que des miteux. Dis donc, mais pour qui tu te prends, toi, pour parler comme ça des gens ? Je me prends pour ce que je suis, c'est bon, tout. Bon, alors ça va, boucle là, personne t'a sonné. Oh, excuse-moi d'être venu au monde. Allez, monte en haut, toi. Pas encore. Monte en haut que je te dis. Là aussi ? Ouais. Vice-président ? Depuis quand ai-je plus que vice-président ? Ah, vous dégringolez, hein ? Enfin, j'étais le seul président avant. Exact ? Un peu, mon neveu. Ah, quitte pas quelque part. Allez, ben, ferme la signe, toi, et tu m'apporteras à bouffer. Rien. Ah, pas nous simplifier les choses, hein, cette môme-là. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je sais pas. Si je m'écoutais, maintenant, je la balancerais. Un peu compliqué, non ? Ouais, je sais. Ouais, sur le papier, alors qu'il est, elle a plus d'intérêt que vous. Mais je... Écoutez, c'est grâce à votre idée, ça. Ah oui, une drôle de bonne idée qui vous met à couvert et vous évite de payer au percepteur. Vous savez combien ? Mais oui, vous l'avez dit 10 000 fois. Oh, excusez-moi. Seulement vous feriez mieux de gamberger quelque chose. Parce qu'elle va tout nous ficher en l'air, cette sacrée garce. Alors, envoyez-la à la maison. Non. Mais qu'est-ce qui vous en empêche ? J'ai dans la peau. Non, ça ne me regarde plus. Hein. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Quoi ? Rien, c'est un proverbe. Mais ça veut rien dire, ça. Oui, si vous voulez. Payeur ? Mais qui c'est qui parle de payer ? Personne, Harry, personne. Ça va ? Ça va. Arrête, je sais pas, il devrait y avoir un moyen de la dégourdir un peu, non ? Oui, peut-être. Une espèce d'école où on l'enverrait. Oui, elle irait avec un cartable. Bah quoi, alors ? Ah, je sais pas. On pourrait peut-être lui trouver quelqu'un qui lui apprendrait les bonnes manières. Ah oui, comment ? Ah, je vais y penser.
Mais pendant que nous sommes sur ce sujet, il y a une autre solution que vous devriez envisager, Harry. Ah oui, laquelle? Puisque vous ne pouvez vous passer de sa présence, épousez-la. Pas pour moi. Pourquoi? J'ai déjà été marié, j'aime pas ça. Depuis combien de temps êtes-vous... connaissez-vous Billy? Je sais pas, moi, 5, 6 ans... Mais pour Dieu, qu'est-ce qui cloche? C'est plus aussi drôle après qu'on est marié. Mais pour quelle raison? Mais c'est comme ça, vous me demandez ça, c'est comme ça parce que c'est comme ça, voilà tout. Très bien. Si on est ensemble et pas plus, si je lui fais un cadeau, je suis un type vachement formidable. Si on est marié, elle pense que ça lui est dû. Billy n'est pas comme ça. Ah, une frangine, c'est toujours une frangine. Il pourrait venir un jour où vous le regretterez. Non, ça va, laissez tomber. Hein. Comme vous voudrez. Dites, me prenez pas pour une bille, hein, parce que je sais ce que je fais. Ah, ben, j'en doute pas. Hein. Alors, c'est pas la peine de prendre vos grands airs avec moi, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui bossez pour moi. Personne ne dit le contraire. Alors, donnez vos conseils, je les suivrai ou je les suivrai pas, ça me regarde. Mais oui, c'est pas la peine de faire votre bouche en cul de poule. Hein. Pourquoi faudrait que je me marie comme ça, à toute vitesse? Vous êtes en pleine ascension, Harry. Vous entrez dans un milieu nouveau. Peu importe qui y a derrière, les gens importants tiennent aux apparences. Qu'ils aillent se faire voir. Eh, c'est tout vu. Vous êtes dans le grand cercle à présent et le jeu s'y joue selon certaines règles. Quelles règles? C'est une règle d'être marié. Non, mais une des règles est de ne pas trop se faire remarquer. Le pittoresque a des limites. Ah, ouais. Bon, ça va. On en causera. Mais tout ça, ça... Tout ça, ça règle pas la question, Billy. Ça peut pas coller comme ça. Coller. Mais ce soir, chaque fois qu'elle l'a ouverte, elle aurait mieux fait de se taire. Ouais, l'ennui, c'est qu'elle ne s'en rend pas compte. Ted, vous pourriez pas lui dire deux mots? Deux mots ne suffiront pas, j'en ai peur. Eh ben alors quoi? C'est un gros travail, on ne refait pas facilement une personne. Trop de choses à expliquer, et puis... ni l'âge, ni la patience, ni même toutes les connaissances qu'il faudrait pour... Attends, une seconde. Quoi? Le type en bas. Qui? Le copain qui est venu pour l'interview, le petit Mariol. Ah! Quoi? Il connaît tout le monde, il connaît bien le coin, il fait de jolies courbettes. Ah, il conviendrait, mais il n'acceptera pas. Pourquoi? Oh, parce que c'est pas... Quoi? Je le paierai ce qu'il voudra. Non, je crois pas que... Qu'est-ce que vous pariez? Comment il s'appelle déjà? Véral, Paul Véral. Écoutez, non, je pense pas que vous devriez... Moi, je pense que si. Allô? Allô, passez-moi Véral. Oui, c'est... Oui, monsieur Véral. Il faut bien que vous vous embarquiez pas si vite dans ce... Votre gueule. Allô? Allô, mon petit gars? C'est Harry Brock à l'appareil. Et donc, qu'est-ce que vous faites, là? J'aimerais bien bavarder avec vous un moment. J'ai une proposition à vous faire. Quoi? Non, une proposition honnête. Oh là, absolument régulier. Ben, c'est ça, faites donc ça. Non. Je bouge pas d'ici. Tout de suite. Il me plaît, ce gars-là. Mais il vous plaît assez pour l'avoir ici, tournant autour de Billy tout le temps. Hein. Vous rigolez, non? Vous l'avez vu, là, avec ses lunettes. Mais je vous le dis, c'est le bon truc, je le sens, je le renifle. Mais Billy, elle sera peut-être pas d'accord. Elle fera ce que je lui dirai. Mais ça suffit pas, on s'instruit si on veut bien s'instruire. Donc quand elle comprendra que c'est pour son bien, elle marchera. Bon, vous la connaissez mieux que moi. Un peu, oui. Dites... Combien je vais lui offrir au petit gars? À votre place, je resterai sur un plan purement amical. Oui, mais moi, je crois à rien sur un plan amical. Écoutez, je connais ce genre de type, moi, hein? Je connais des tas de types, c'est toujours le fric qui a le dernier mot. Et je veux pas que personne me rende des services à l'œil. Parlez-lui d'abord! Chut, mais voyez si... Entrez, mon petit gars! Entrez! Alors, qu'est-ce que vous prenez? Rien, merci, je suis en train de travailler. Ah, c'est eux. Hmm? J'ai quelque chose à vous demander. Eh bien, je vous écoute. Combien vous gagnez par semaine? Est-ce que je sais, moi? Je suis pas mon comptable, hein? Ah, j'adore ce gars-là. Comment c'est votre nom, déjà? Véral. Non, prénom. Paul. Ah, Paul. Bon, ben alors. Paul, voilà l'affaire. J'ai une amie. Ah, c'est une bonne gosse. Mais vous la connaissez, vous l'avez déjà vue ici, Billy. Ah, oui. Voilà. Ben, c'est... J'ai une chic gosse seulement, de vous à moi, hein. Elle n'a pas inventé l'eau chaude. Ouais. Remarquez, c'est pas sa faute, elle figurait dans les revues. Alors, pour figurer, elle en savait assez, seulement... Bah, j'ai peur qu'elle s'ennuie dans une ville comme Washington. Ouais, elle n'a jamais causé avec des gens comme il y en a ici. Alors... Vous me suivez, là, non? Ah, pas du tout, non. Écoutez, voilà, je pense que... Un gars comme vous pourrait l'aider.
Bien. Ça m'aidera aussi par la même occasion. Oui, de quelle façon? Bon, je sais pas, moi, enfin. Vous la mettez à la page, quoi. Vous lui apprenez les bonnes manières. Hein? Non, ben, à voir. Voilà, vous m'avez perdu, bien entendu. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je ne crois pas que je sois qualifié. Excusez-moi, M. Brock, mais... Je vous donnerai 200 000 par semaine. D'accord. Qu'est-ce que je disais, hein? Ah, il me plaît, moi, ce gars-là. Bon, alors, on commence quand? Ben, tout de suite, pourquoi pas. OK. Je vous l'amène, et puis vous prenez les pouvoirs. Billy! Descends voir une minute! Ça va. C'est une chouette môme. Ça ira tout seul. Mais je suis pas habillée! T'inquiète pas, c'est l'ami de la famille. Hé, hey, ben descends que je te dis. Hein? Tu connais Paul Véral? Il veut te causer. Oui, de quoi? Assieds-toi, puis tu verras bien. Ted, on monte en haut une minute. Hein? Allons-y. Prenez les papiers. Oui. Voilà, votre... enfin, Monsieur Brock voudrait que nous nous voyions de temps en temps. Hein? Enfin, je veux dire que nous nous voyons, vous et moi. Sans blague! Oui. Il me fait un gigolo maintenant? Non. Non, pas exactement. Qu'est-ce que ça signifie alors? Eh bien, il faudrait que je vous tienne au courant de tout ce qui se passe à Washington, que je vous mette à la page, que je ne sais pas, que je réponde à vos questions. Puis pas de questions, moi? Eh ben, je vous en suggérerai, alors. Et après? Ben, je sais pas, ça pourrait être amusant, non? Oui. Vous savez, il y a beaucoup de choses à voir à Washington. Je pourrais vous servir de guide. Et cette Cour suprême, vous la connaissez? Ah oui? Mettons-la au programme. Ah bon? Entendu. Bon, alors on commence. On commence quoi? Ben, notre petit programme. Oh, moi, ça m'est égal, j'ai pas grand-chose à faire, hein. Dites. Bon. Il vous paie combien pour ça? 200 000 par semaine. Pas malo. Vous pouviez lui en prendre plus, il est plein de fric. Oh, je l'aurais fait pour rien. Alors. Oh! Et pourquoi? Je vous assure. Parce que c'est pas un travail. Ça me plaît. Il pense que je suis une gourde, hein? Non, mais il pense que quelque... Oh, il a pas tort. Je suis une gourde et j'aime ça. Ah bon, vous aimez ça? Ben oui, quoi. Je suis heureuse, j'ai tout ce que je désire. J'ai deux manteaux de vison. Tout, quoi. Quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande. Puis s'il marche pas, eh ben, c'est moi qui marche pas. Si vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, très bien, oui. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est de savoir comment obtenir ce que je veux. Oui, si vous savez ce que vous voulez. Bah, bien sûr. Quoi? Si vous savez ce que vous voulez. Oh, dites, pour la mise en boîte, vous repasserez, hein? Ah mais non, mais pas du tout, je vous assure. Quoi, vraiment? Vous savez ce que je voudrais? Non. C'est apprendre à bien causer. D'accord. C'est difficile? Non, pas tellement. Comment il faut faire? Eh bien, je vous prêterai d'abord quelques livres. Et puis, si vous le permettez, je vous dirai quand vous faites une faute. Allons-y. Enfin, je vous le dirai quand je m'en apercevrai, parce que je ne cause pas toujours très bien moi-même. Je dis jamais de gros mots, vous avez remarqué? Jamais. Oui, oui. Quand j'étais môme, le prof me fichait une bonne baffe si j'en disais, alors j'ai pas pris l'habitude. Ça méritait peut-être pas une gifle. Oh, c'était pas une grande gifle. Oui, mais enfin, tout de même, moi, je ne suis pas pour les punitions. Je n'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Ah, bien. J'apprends vite, hein. Il faut pas dire un. J'apprends vite, n'est-ce pas? Formidable, Miss Bell. Billy. Oh, Billy, Billy. T'as un prénom bizarre, ça, Billy. Bizarre? La moitié des filles que je connais s'appellent Billy. D'abord, c'est pas mon vrai prénom. Quel est votre vrai prénom? Oh, vous croirez pas, Emma. Puis après? Bon, est-ce que j'ai une tête à m'appeler Emma? À quoi je ressemble? Vous n'êtes pas non plus une Billy. Je vais vous le dire.
Pour moi... Pour vous? Pour moi, vous ressemblez à un petit ange. Dites! Vous êtes en train de me faire du boniment ou vous êtes prêt à aller plus loin? Parce que moi, j'ai été chippée pour vous du premier coup, hein. Ah bon? Ça vous arrive souvent? De temps en temps. Ah oui? Et qu'est-ce que vous faites? Bah, restez un peu, vous verrez bien. Bah, c'est ça, je vais rester, je vais voir. Et si vous voulez un tuyau, écoutez, parlez-moi câlin, j'aime ça. Comme cette histoire de petit ange, là. Oh, vous inquiétez pas pour lui, il voit rien, lui. Il voit que lui, il se bouche la vue. Ça risque d'être légèrement différent de ce que j'imaginais. Vous le regrettez? Non. C'est réciproque. Comme ça, chacun fera l'éducation de l'autre. Oui, c'est ça. Pardon, merci. Pour en revenir au livre, Miss Bell, je vous les apporterai demain. Je regarderai ce que j'ai chez moi. Et... si je trouve quelque chose d'intéressant, je ne dis pas que je ne revienne pas tout à l'heure. Revenez, hein? Le programme du lendemain, nous l'établirons chaque jour. Hein. Ou chaque nuit. Oui, c'est ça, oui. Alors, comment ça colle, vous deux? Ah, oh, très bien, ça, je crois que c'est arrangé, hein. Bravo, bravo, superbe. Bon, faut que je m'en aille. Non, non, qu'est-ce que vous prenez? Si, si, non, non. À demain, Harry. Oui, à demain, hein. Bonsoir, Billy. À bientôt. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. À bientôt, fils. Je suis très content. Oui, moi aussi, moi aussi. À bientôt, fils. Quarante-huit. Si tu l'écoutes, ce type verra, là, ça sera pas mauvais pour toi. D'accord. Tu
Parce que t'es dans le grand cercle à présent, alors fais gaffe où tu mets les pieds, hein. D'accord. T'as pas la bien de tenir, parce que sans ça, moi, je peux pas te garder ici. Puis c'est pas des salades, hein. Alors, fais attention à ce que tu dis, puis fais attention à ce que tu fais. Trois! 28. 28! 28! Un peu d'éducation, ça te ferait pas mal à toi aussi, si tu veux mon avis. Qui te le demande? Personne. Bon, bah alors parle pas. Je peux pas parler? Joue! C'est le pays de la liberté, non? C'est toi qui le dis, je... C'est fini, oui. Cinquante et un. Blitz. Qu'est-ce que t'as vu jeter Blitz? Ah oui, quoi, c'est fini qui dit le contraire. 27 325. Paye tout de suite. Qu'est-ce qui te prend, t'as pas confiance? Pourquoi tu cries? Tu me fais toujours payer, moi. Ah, ce qu'il faut entendre, hein. Oh, le mauvais perdant, le mauvais perdant. Ferme ça, hein. 27 325. Merci. Tu viens de coucher? Dans une minute. Non, maintenant. Dans une minute, je te dis. Bonsoir. Ah, bonsoir. Je vous ai apporté les journaux. C'était pas la peine, je lis pas les journaux. Jamais? De temps en temps, les bandes dessinées à la dernière page. Vous devriez lire aussi la première. Pourquoi? C'est pas sans intérêt. Pas pour moi. Ben comment le savez-vous, puisque vous ne les lisez jamais? Oh, si vous tenez absolument à devenir un casse-pied, dites-le tout de suite, hein. Faudrait peut-être mieux annuler notre petit programme. Oh, ben comme vous voudrez, moi. Oh, ben de temps en temps, jette un coup d'œil sur les journaux. Mais j'y comprends rien, alors à quoi bon? Lisez ceci. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous ferez des marques. Et demain, je vous donnerai des explications. D'accord? D'accord. Bien. Tenez, je vous ai aussi apporté deux livres, je pense qu'ils vous intéresseront. J'essaierai, hein? Ah non, 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 il ne faut pas les traiter comme ça. Vous commencez par en prendre un, vous le lisez, s'il ne vous plaît pas, vous arrêtez et vous prenez l'autre. Oui, mais il y a autre chose, ça me fait mal aux yeux. Eh bien, portez des lunettes. De lunettes? Ben oui, pourquoi pas? Mais c'est horrible! Et aux hommes, ça leur va pas si mal? Bien. Bonne nuit, Billy. Bonne nuit.